Bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme prévu, on se retrouve le dimanche 10 décembre pour le résultat de mon concours organisé pour mes 100 abonnés, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 110. Donc, je vous remercie énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous rappelle donc les lots que j'ai mis dans ce concours. Donc c'est un lot unique, vous avez donc les cartes de vœux, la fameuse toile chat et le petit sapin de chez Action, voilà, qui est très 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 sympathique. Un petit peu compliqué à faire parce que les diamants sont très petits, mais il est vraiment, le rendu est vraiment très chouette. Voilà, donc j'ai fait le point ce matin, là il doit être 11h30, quelque chose comme ça, sur les personnes qui ont répondu à mon concours. Donc nous sommes au nombre de 9, il y a 9 concurrents, sur 9, 10, 11, 12, 13, 14 commentaires. Donc il y a 5 personnes qui n'ont pas désiré concourir, qui ont laissé la chance aux autres. Donc voilà, donc nous sommes à peu près à 10%, donc il y a vraiment une grande chance pour que l'une de vous gagne mon petit lot. Voilà, donc j'aurais pu choisir de faire ce tirage avec Random, comment ça s'appelle, Random Comment Picker. Bien sûr, j'ai fait mes petites recherches sur YouTube, vu que c'est mon premier concours, je ne savais absolument pas du tout comment j'allais m'organiser pour faire ce tirage. Mais ma chaîne s'appelle Les Extravagances de Tempérance. Hein. Donc, vous avez l'extravagance et vous avez aussi Tempérance. Donc, pour rendre ce tirage un petit peu original, j'ai décidé d'utiliser un de mes jeux. Puisque vous savez que je suis fan de cartes, hein, que ce soit tarot, oracle, petit Lenormand, jeu de 32, etc. Ça fait quelques années avant le Covid, hein, que je m'intéressais aux cartes. Maintenant un petit peu moins, puisque que je diamante, je fais du point de croix, donc j'ai pas encore le temps de m'occuper de mes cartes. Et j'ai un petit peu perdu la main, donc je ne fais plus trop de tirages, en sachant que j'en ai pas vraiment, jamais vraiment fait, parce que j'arrive pas vraiment à interpréter mes cartes. Mais bon, je n'étais pas assez assidu pour ça, parce qu'il faut quand même de la pratique. Aujourd'hui, ben du coup, je vais vous présenter mon petit jeu. Donc je vais déjà ranger tout ça, hop, avant de faire le tirage. Voilà, voilà, on va mettre les personnes, hop, de côté. Et donc vous avez vu, hein, j'ai bien tout noté avec les numéros à chaque fois. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de brasser mes 9 cartes et de tirer au sort la carte qui sera gagnante. Donc, pour vous proposer ce petit jeu, je vous présente quand même le jeu qui s'appelle Le Nouvel était là. En fait, c'est un mixte de tarot, de petit Lenormand, etc. Il est vraiment, vraiment très intéressant. Il se trouve sur... Vous le trouvez sur Amazon pour à peu près une trentaine d'euros maintenant. Avant, il était... plus en voilà, et il se présente donc sous une forme de boîte cloche qui est très très jolie, de très très bonne qualité. Voilà, donc il s'appelle, où est-ce que vous êtes, le nouvel était là, en sachant qu'il y a le l'été là tout simple et le grand été là. Voilà, et c'est un mixte de tout cela, et ça a été fait par Gabriel Myrdin. Très très bien. Donc bien sûr avec le petit livret qui va avec, qui est hyper complet, avec des tirages et l'explication des cartes. Et donc les cartes se présentent ainsi. Elles sont vraiment très très sympas. Vous avez le numéro de la carte classique, les mots-clés et un envers, un endroit en fonction du tirage, si c'est positif, négatif. Mais là, de ce côté-là, on ne va pas utiliser ce principe-là. Donc, je vais retirer, vu qu'on est 9, les 9 cartes. On va partir sur le cœur, puisque le cœur, c'est l'amour. Voilà. Donc, voilà. Entre-temps, ben, vous aurez le droit de voir les cartes. Voilà. Et il est vraiment, vraiment très, très sympa. Je l'aime beaucoup. Et ça fait un côté mystique, comme ça. On dirait un vieux parchemin.
Voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Et à un moment donné, il n'était plus en vente parce qu'il n'était plus imprimé. Donc j'ai dû attendre bien un an le temps que ce jeu soit de nouveau disponible et en plus sur Amazon, ce qui ne gâche rien. Hop là, ce qui ne gâche rien. Voilà. Donc je vais déjà sortir tous les cœurs. Donc je suppose que vous entendez mon petit titui qui chante au fond. Pourtant, je suis très loin du salon, hein, donc je vous dis pas. Ah là là, celui-ci, hein, c'est un terrible. Voilà. Alors, on va déjà voir si on a toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, on a bien les 9 cartes, hein? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien. Bah écoutez, ici ça va, dimanche matin. Bah, oui, donc je me suis dit, je fais tout de suite la vidéo pour pouvoir vous la poster, puisque il me faut un temps certain pour télécharger la vidéo. Donc j'espère pouvoir vous la mettre en ligne pour ce soir. J'espère, j'espère. En tout cas, je vous remercie énormément. Toutes celles qui ont participé à mon concours, ça me fait vraiment très plaisir. Bah écoutez, je vous croise les doigts. Moi, je peux pas, je suis en train de battre les cartes, hein, donc je peux pas vous les croiser pour vous. Voilà. Donc je fais ça bien, hein, vous avez vu, hein, je peux pas tricher. Hein. Mais bon, voilà. Je peux vraiment pas tricher. On est d'accord que j'ai bien mis vos noms avec votre numéro à côté, hein, donc vous pouvez voir que il n'y a pas de. Voilà. Je pense qu'elles sont bien mélangées. Hop, voilà. Voilà. Vous y êtes, mes amis. Donc encore une fois, merci. Et allez, je vais tirer donc une carte. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Ta-ta-ta, roulement de tambour. Attention, c'est la carte numéro 7. La carte numéro 7. Voilà, je vous la montre bien. C'est bien la carte numéro 7. Et je vous montre quand même aussi les noms. C'est Soso! C'est ma petite Soso qui a gagné donc mon petit lot. Eh ben écoute Soso, ça me fait vraiment plaisir puisque j'ai gagné un lot chez toi, bah t'as gagné le lot chez moi. Donc on va s'envoyer, on va s'adresser toutes les deux le petit colis de fin d'année. Écoute, ça me fait vraiment énormément plaisir, Soso. Par contre, je ne sais pas si j'ai tes coordonnées, donc bah écoute, toi, tu as les miennes, donc je te laisse me contacter sur mon mail, hein, tu le connais, et puis tu me transmets ton adresse, et du coup, bah, je pourrais t'envoyer ce petit colis. Ça me fait vraiment très très plaisir. Désolée pour les autres, hein, mais c'est Soso qui a gagné donc ce lot. Soso de la chaîne, Soso et ses passe-temps. Bah écoutez, voilà, donc mon tirage est fait. J'espère que ce principe vous a plu, hein. Je veux dire, normalement, il n'y a pas de problème de triche, je n'ai pas pu tricher. Et puis donc du coup, puis bon, je vois pas l'intérêt, hein, franchement, c'est pas du tout le but. Hein. Et donc sur ce, bah écoutez, je vous fais de très 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 gros bisous. J'attends le retour de Soso. Et donc, bah écoutez, on se retrouvera, je pense, pour ce genre de concours pour mes 200 abonnés. Mais ça, c'est pas un bon petit moment à mon avis, mais ça, c'est pas grave du tout. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite encore un bon dimanche, hein, et en espérant que tout va bien pour vous. Et bah écoutez, on se retrouve pour une de prochaines aventures. J'ai encore pas mal de petites vidéos à vous montrer. J'attends juste mes colis. Et donc, bah écoutez, à bientôt. Gros gros schmoutz à tout le monde. Bisous.